monde, je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Je crois que ça marche. Non, ça va marcher. Bonjour, je suis vraiment ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Julien Gossel, je suis informaticien. Je pense que j'ai beaucoup plus appris en vous écoutant la journée que ce que je pourrais vous apprendre ce soir. Évidemment, je ne vais pas vous parler de STAPS, hein, parce que je sais très peu de choses par rapport à ça. Par contre, je vais essayer de donner un petit éclairage avec du recul pour essayer de voir un petit peu dans quelle situation on se trouve actuellement à l'université. Alors, ce graphique, vous l'avez peut-être vu passer, c'est un graphique Piketty-Chancel qui montre l'investissement public dans l'université par étudiant une fois qu'on a corrigé l'inflation et qui montre qu'on a une baisse de plus de 20% sur la dernière dizaine d'années, ce qui n'a quand même pas rien. 20% de baisse, c'est assez énorme. Et ça, c'est assez intriguant parce que c'est la première fois qu'on fait ça dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on a toujours, jusqu'à présent, investi de plus en plus dans les politiques éducatives. C'est un peu la marche du progrès, on va dire. Donc c'est la première fois qu'on renverse cette marche du progrès. Pour essayer de comprendre pourquoi on a cette inversion, ici ce que vous avez c'est une exploitation de l'enquête emploi de l'INSEE qui montre la stratification éducative de la population française. Alors j'ai pris les 25-30 ans, hein, c'est pour voir juste en sortie de diplôme en quelque sorte. Donc là vous l'avez en 1972. À gauche de l'écran, vous l'avez en pluriannuel, ça va grossir tout à l'heure. Et puis, ce que vous avez en vert, c'est les citoyens qui n'ont qu'une éducation primaire, c'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés au certificat d'études. Aujourd'hui, on dit qu'ils n'ont rien. C'est aussi simple que ça. En orange, vous avez ceux qui ont une éducation secondaire, donc qui est entre le brevet des collèges et le bac. Et en bleu, ceux qui ont une formation supérieure, donc qui sont allés au-delà du bac. Donc vous voyez qu'en 1972, on a une pyramide qui tient sur sa base avec à peu près 10% des gens qui ont une éducation supérieure et à peu près la moitié des gens qui n'ont rien. C'est à ce moment-là où on donne le rôle, on structure l'université moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui et on lui donne un rôle, on la crée pour ça, on la crée pour faire la massification, la démocratisation, c'est-à-dire de qualifier de plus en plus la population française. On va voir comment ça se passe. Alors, dès 1975, on a une bascule du primaire vers le secondaire. Hein. Vous avez vu la pyramide à droite de l'écran, le secondaire prend le dessus sur le primaire. 1980, donc c'est à hauteur d'homme, hein, vous voyez, c'est à l'échelle de notre génération. 1980, c'est mon année de naissance, on a la secondaire qui grossit encore plus, le tertiaire ne bouge toujours pas. Hein. 1985, le tertiaire bouge toujours pas, le secondaire, par contre, commence à sérieusement écraser le primaire. Et puis là, on commence à voir, en 1990, un petit début du tertiaire qui grossit. 95, ça grossit encore un petit peu plus. 2000, vous voyez l'accélération hein, de la formation tertiaire. 2005, on commence à être à égalité entre tertiaire et secondaire. 2010, on commence à voir apparaître quelque chose qui s'appelle la stagnation éducative. C'est-à-dire que là, on commence, vous voyez, un début, là, la courbe est un petit peu, elle grossit un petit peu moins. 2015, on est à l'égalité parfaite. Et 2020, enfin, il y a plus de formés du supérieur que de gens qui ont une formation secondaire. C'est-à-dire qu'on est à 55% aujourd'hui, hein, si on prend la tranche d'âge, qui ont un diplôme du supérieur. Et ça, vous voyez bien que ça change radicalement ce que ça veut dire d'avoir un diplôme du supérieur. C'est-à-dire que quand on n'est que 10% à l'avoir, ou quand on est 55% à l'avoir, eh ben, ça ne vaut pas pareil sur le marché de l'emploi. C'est ce qu'on appelle, alors c'est entre massification, démocratisation, les termes sont difficiles à comprendre. Le bon terme, c'est probablement banalisation. C'est-à-dire que c'est assez banal, en réalité, aujourd'hui, de faire des études supérieures. Vous voyez, les citoyens qui n'ont rien, ils sont moins de 10% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, quasiment, qui n'a pas de formation supérieure. Et ça change énormément de choses. Et la première chose que ça change pour l'université, c'est que nous, on a été créés pour arriver à ce résultat. Et maintenant, ce résultat, il est obtenu. Et on ne fixe pas d'autres caps. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres objectifs. Si vous allez voir les projets annuels de performance, c'est un gros document qui est attaché aux jeunes budgétaires, où on fixe les objectifs de la nation en termes de pourcentage de classe d'âge sur ces stratifications éducatives, eh bien, il y a marqué qu'il faudrait un petit peu moins former les gens. C'est-à-dire qu'on est à 52% de tête, et puis on voudrait arriver à 51% et demi. Vous voyez, notre objectif est légèrement en dessous, et un demi-pourcent, 1% en dessous de ce qu'on a à l'heure actuelle. C'est-à-dire que pour la première fois, on souhaite que les gens soient moins diplômés. Alors,
Ça, vous l'avez senti, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas de cap, qu'on ne comprenne plus si on est là pour professionnaliser, pour former, à quoi sert l'université, on ne sait pas bien, on l'a tous un peu senti. Une première conséquence très forte, c'est que la notion même d'université est en train d'exploser. C'est-à-dire que l'université, c'était une SCP en 1969, loi fort, hein, on décide que le petit terme technique, technocratique, c'est ça, un statut d'université, c'est ça, c'était ça. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, on voit apparaître des universités qui deviennent des grands établissements. Alors, typiquement, l'université de Lorraine. Et puis là, ce qu'on a vu les dernières années, c'est les universités qui deviennent des établissements publics expérimentaux. Et puis d'autres universités qui deviennent des composantes. Et puis là, on commence à voir arriver des établissements privés qui s'appellent les universités, machin. Donc c'est-à-dire que le terme université est en train d'exploser. On n'a plus de statut aujourd'hui, on ne peut pas dire université, c'est tel statut, tel arrêté, telle chose, c'est plus vrai. C'est une multitude de statuts internes localisés à certains endroits. Donc, c'est-à-dire toute cette notion d'université est en train d'exploser. Et la deuxième chose assez importante, à mon avis, à comprendre, c'est cette chose-là. Donc là, ce que vous avez, c'est deux courbes. Vous avez les effectifs en licence 3 et les effectifs en master 1 sur la dernière dizaine d'années. Et alors, ce que vous voyez, les effectifs en licence 3, ben, c'est la courbe démographique. Et puis là, ce que vous avez, c'est le Covid. Hein, c'est le moment où on a arrêté on leur a pas trop tapé dessus pendant les examens. Donc ça explose assez fort. Et ce que vous avez ici, c'est les effectifs en master 1, avec l'effet de la loi droit à la poursuite d'études en master. Ça, c'est le droit à la poursuite d'études en master, c'est le moment où on ferme les portes des masters. Ce que vous avez ici, c'est l'arrivée de mon master. Et ça, en fait, ce que vous voyez sur ce truc-là, c'est une double politique contraire. La première politique, c'est il faut prendre tout le monde tous les bacheliers doivent aller en licence, et il faut une politique de réussite en licence. Il faut que ceux qui rentrent en licence sortent de licence avec une licence. Par contre, le master doit rester exigeant. C'est-à-dire, le master, ça, c'est insertion professionnelle et il n'y a pas du boulot pour tout le monde. Donc le moment où on va coincer, c'est-à-dire faire sortir les jeunes en disant « Ah, t'as un diplôme, mais il n'y a pas d'emploi. » Donc on ne va pas pousser plus loin dans le système éducatif. Eh bien, il se situe pour l'instant entre la L3 et le M1. Ici, donc ça c'est les chiffres du jour, hein, c'est les chiffres qui sont sortis la semaine dernière que j'ai exploité il y a une heure. Vous avez pour droit sciences économiques et AES ici, LLASHS là, sciences de l'ingénieur ici, et puis vous avez STAPS à cet endroit-là, vous voyez, donc là vous avez la courbe pour les STAPS avec les Master 1 qui dégringolent petit à petit comme ça. Alors attention, il y a les Master MEF qui sont plutôt là-dedans, hein, donc c'est un peu entre les deux, et puis la L3 qui s'éloigne d'une vitesse assez catastrophique du M1. Voilà, donc là, j'en ai fini avec ma présentation. En gros, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on est dans un moment assez spécifique de l'histoire d'une civilisation. C'est la première fois qu'on connaît ça dans l'histoire humaine, c'est-à-dire que jamais on a poussé des populations à un tel niveau de qualification et on ne sait pas faire. C'est-à-dire que notre système économique n'a pas suivi, on n'a pas créé autant d'emplois à un aussi haut niveau de qualification, donc on surforme notre population. Et on n'a pas de solution. Et alors la question, c'est quand est-ce qu'on va éjecter des gens avec des diplômes, mais sans emploi? Pour l'instant, la décision semble se situer plutôt autour de l'accès licence 3, master 1, mais ça a des implications assez fortes sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une licence, hein, c'est pas évident, et qu'est-ce que ça veut dire d'être accepté en master 1. Ces questions-là, je pense que ça éclaire une partie, en tout cas, des discussions que j'ai entendues parmi vous, c'est-à-dire... Bah, un petit peu de perdition, qu'est-ce qu'on fait avec notre système. Voilà, je vous remercie pour votre attention.